Regardez. Quand on a commencé sur rien du tout. Il n'y avait sur la wilaya d'Oran aucune structure de prise en charge des enfants infirmes moteurs cérébraux. Dans la première classe expérimentale que nous avions créée en 2001, il y avait deux enfants. Il y avait ma fille et un petit garçon. Nous, ce qu'on voulait à la base, c'était d'abord une structure pour que les enfants sortent des maisons et soient dans une unité qui soit une unité éducative, puisque l'école ne pouvait pas les accueillir à l'époque. Et en même temps, on voulait transmettre une expérience qu'on avait, l'expérience qu'on avait eue avec Amira, donc ma fille, vers d'autres enfants, nous disant si ça a marché avec Amira, ben, normalement ça doit marcher avec d'autres enfants. On s'est un petit peu élargi, on s'est rendu compte qu'il y avait des enfants qui avaient la possibilité d'aller à l'école si un certain nombre de conditions étaient remplies au départ. Alors ces conditions, c'est l'accompagnement. On ne parlait pas, on avait juste de l'écolalie, des sons répétés sans plus. Déjà enlevé la couche à plusieurs, il y a qu'à Ahmed et à Angèle, Asma. Ce qu'on va faire à partir du mois de janvier pour le petit Ahmed, parce que maintenant il est complètement conscient, là on va lui faire un programme scolaire. Soit pour certains, comme la fille Yara, on va faire les fondamentaux du programme scolaire, c'est-à-dire la reconnaissance des formes, des couleurs. Nous, on appelle ça des activités d'éveil. Quand on estime que l'enfant est apte, sur le plan comportemental, sur le plan cognitif et sur le plan de la socialisation, donc on se dit, on va essayer. L'Algérie a ratifié toutes les conventions internationales, elle a elle-même produit énormément de lois sur le handicap, mais beaucoup de ces lois ne sont pas appliquées. Par exemple, il existe en Algérie une loi qui dit, et c'est la loi fondamentale de l'État algérien, qui dit que tout enfant, quel qu'il soit, a le droit d'aller à l'école. C'est bien. Comment appliquer cette loi? On est dans une société où le handicap n'est pas visible. Si vous vous baladez dans les rues d'Oran, d'Alger ou de Constantine, rarement vous verrez une personne en fauteuil, rarement vous verrez un enfant handicapé mental. Les personnes handicapées sont la plupart du temps calfeutrées dans des espaces clos. Et justement, nous, notre propos, c'est d'ouvrir ces portes, de sortir l'enfant. C'est pas facile. Moi, j'ai mis un temps avant de faire sortir Amira, avant de l'emmener au restaurant, avant d'aller faire des courses dans un supermarché avec elle. C'est quelquefois une vraie galère. Tous les jours, quand on ouvre le centre et que je vois tous ces gamins venir, je me dis, ben, la vie de Amira n'aura pas été gâchée. La vie de Amira n'est pas partie pour rien. Il y a quelque chose qui s'est fait grâce à elle, même si elle n'y est pas vraiment. Mais sans elle, on n'aurait jamais été dans ce truc-là. Il n'y aurait jamais eu de sens. Tout ce mouvement-là est venu de Amira. Moi, j'en ai été persuadée dès le départ.